séquentiel, donc partie A, partie B. La partie A a 32 temps et la partie B a 16 temps. Alors, on va y aller avec la partie A. Donc, on va avoir le poids sur le pied gauche. On y va avec un kick bar cross. Côté, croisé derrière, un chassé quart de tour vers la droite et un tour militaire. Pour les 8 temps suivants, donc je me mets ici pour que ce soit mieux pour l'explication. C'est un shuffle avant, un tour complet vers la gauche et un rock step, rock step. Les 8 temps suivants, c'est un hip bump, un coaster step, quart de tour. Ensuite de ça, c'est un marche et un English cross, donc c'est quart de tour, on ramène pour terminer la partie, la troisième partie des 8 temps. Les derniers 8 temps pour la partie A, comme ceci pour l'explication. Donc, ça va être un mambo step demi-tour, un shuffle demi-tour et un toe strut body roll et un toe strut body roll. Sur les comptes, ça va donner ceci. Donc, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. 1 et 2, 3 et 4, 5, 6 et 7, 8. Pour la partie B, 16 temps. Donc, on y va avec un press, walk, pause. Press, walk, pause. Step, quart de tour, croisé, pause. Les 8 derniers temps, donc c'est un quart de tour vers la gauche, pause, pas de côté, pause, un rock step croisé et un chien. Sur les comptes, ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La danse, il y a une finale. Si vous ne voulez pas la faire, vous partez sur le mur de 6 heures et la partie B va toujours se faire sur le mur de midi, donc vers l'avant. La partie B va se faire après le mur 1, après le mur 3 et après le mur 5. Merci!